Hello everybody, fasten your seatbelt for a new episode of French Podcast, the one and only podcast designed to teach French learners like you. Whether you are a beginner, intermediate or proficient in French language, you are sure to take practical advice when you listen to our podcast. My name is Rajan Singh Chauhan and today we will talk about Sangamukham Beach in Kerala. Bonjour à tous, attachez votre ceinture pour un nouvel épisode de French Podcast, le seul et unique podcast conçu pour enseigner aux apprenants de français comme vous. Que vous soyez débutante, intermédiaire ou compétente en langue française, vous êtes sûr de prendre des conseils pratiques lorsque vous écoutez notre podcast. Je m'appelle Rajan Singh Chauhan et aujourd'hui, nous parlerons de la plage de Sangamukham au Kerala. Sangamukham Beach is a beach in Thiruvananthapuram district of Kerala, South India. The beach is on the western side of Thiruvananthapuram and very near to Trivandrum International Airport. The vast stretch of white sand and serene atmosphere away from the crowd in the city provide all the ingredient for relaxation and for spending an ideal evening. It is the city of Holy Anantha. Sangamukham Beach est une plage du district de Thiruvananthapuram au Kerala, dans le sud de l'Inde. La plage est sur le côté ouest de Trivandrum et très proche de l'aéroport international de Trivandrum. La vaste étendue de sable blanc et l'atmosphère sereine, loin de la foule de la ville, fournissaient tous les ingrédients pour se détendre et passer une soirée idéale. C'est la ville de la Sainte Ananta. The old coffee house, which is right across the beach and a great place to watch the sunset, serves us delicious food. The seashore in Sangamukham is regarded as Sri Anantapadmanabhan's Arattu Kadavu, the city's patron deity. Numerous Hindus participate in Bali Tharpanam rituals on important days. Vinayak Chaturthi is when Ganesh Nimarjan is most popular in Sangamukham. Le old coffee house, qui se trouve juste en face de la plage, est un endroit idéal pour regarder le coucher du soleil, sert une cuisine délicieuse. Le bord de mer à Sangamukham est considéré comme le Arattu Kadavu de Sri Anantapadmanabhan, la divinité patronne de la ville. De nombreux hindous participaient au rituel Bali Tharpanam, les jours importants. Vinayak Chaturthi est le moment où Ganesh Nimarjan est le plus populaire à Sangamukham. Images of Lord Padmanabha Swami, Lord Narasimha and Lord Krishna are carried in procession to the Lakadu Sea at Sangamukham Beach on the Arattu Day in Thiruvananthapuram. With the royal sword in hand, His Highness the newly crowned Maharaja of Travancore will lead the parade while being accompanied by members of the royal family, armed guards, temple officials, mounted police and policemen. The event comes to an end when the pictures are carried back in procession following the ceremonial bath at Sangamukham. Des images du Seigneur Padmanabha Swami, du Seigneur Narasimha et du Seigneur Krishna sont transportées en procession jusqu'à la mer Lakadiv sur la plage de Sangamukham, le jour de l'Arattu à Thiruvananthapuram. Avec l'épée royale à la main, Son Altesse le Maharaja, nouvellement
couronné de Travancore, dirigera le défilé accompagné le membre de la famille royale, le garde armé de responsable du temple, de policières montées et de policières. L'événement prend fin lorsque les images sont rapportées en procession après le bain cérémonial à Changmukham. Attractions. An additional draw is the sculpture of Sagar Kanyaga, the mermaid created by Kanai Kunhiraman, more than 35 meters long. This enormous statue, here is where the Jawaharlal Nehru Park of Traffic Signs for Children is located, which helps kids comprehend the rules of the road while they play in the park. For small children, the park also offers bike facilities. Un tirage supplémentaire est la sculpture de Sagar Kanyaka, la sirène créée par Kanai Kunhiraman. Plus de 35 mètres de long, cette énorme statue. C'est ici que se trouve le Jawaharlal Nehru Park of Traffic Signs for Children, qui aide les enfants à comprendre les règles de la route pendant qu'ils jouaient dans le parc. Pour les petits enfants, le parc propose également des installations cyclables. The Changmukham Beach is a well-liked tourist destination in the city that is conveniently accessible from the well-known Kovalam Beach in Thiruvananthapuram and is situated close to other important sites like the Akkulam Tourist Village and the Veli Tourist Village. As a result, it makes for a very interesting location for water sports, tourism and picnics. All tourists are drawn to the beach's natural beauty because of the expansive, shimmering shoreline's calming effect on the area. Everything needed to make a trip to the beach enjoyable and memorable is there at Changmukham Beach. The beach is a terrific spot to hang out during the day and even in the nights. So evenings there are very pleasurable. La plage de Changmukham est une destination touristique très appréciée de la ville, facilement accessible depuis la célèbre plage de Kovalam à Thiruvananthapuram. Est située à proximité d'autres sites importants tels que le village touristique d'Akkulam et le village touristique de Veli. En conséquence, c'est un endroit très intéressant pour les sports nautiques, le tourisme et les pics. Toutes les touristiques sont attirées par la beauté naturelle de la plage en raison de l'effet apaisant du littoral expansif et chatoyant sur la région. Tout le nécessaire pour rendre un voyage à la plage agréable et mémorable est la Changmukham Beach. La plage est un endroit formidable pour traîner pendant la journée et même dans la nuit. Donc les soirées y sont très agréables. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode de podcast. Pour parfaire votre apprentissage dans française langue, trouvez le professeur idéal pour vous enseigner française. Vous pouvez également nous contacter. Nous avons des cours personnalisés et mesurés en fonction de vos besoins afin que vous améliorez significativement votre niveau et cela quelle que soit votre demande. Vous pouvez demander des cours intensifs de française, des cours de française professionnels, des cours de française des affaires, des cours de française pour débutants ou des cours de française pour adultes étrangers. Nous vous apporterons le meilleur enseignement et vous aiderons
dans la réussite de vos projets. Ceci est l'épisode de cette semaine de la French Podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, nous aimerons que vous vous abonniez, commentiez et partagez cette vidéo avec vos amis afin que nous partagions, sensions, encouragions à en faire plus. We have come to the end of this episode. To perfect your learning in French language, find the ideal teacher to teach you French. You can also contact us. We have personalized and tailor-made courses according to your needs so that you significantly improve your level and that whatever you request to us. You can request intensive French courses, professional French courses, business French courses, and also courses for the beginners. We will bring you the best teaching and we will help you in the success of your learning journey. So this was the episode of this week. Don't forget to join us next week for another episode. Thank you for listening to us. If you like this podcast, we'd love for you to subscribe our channel. And please like, comment, and share this video with your friends so that we feel encouraged to do more. Until next time, goodbye.